Et bonjour à tous et à toutes, c'est LND et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Du coup, c'est pas une vidéo débrief, aujourd'hui on va parler des nouvelles livrées donc que j'ai pas débriefé finalement, que je vais débriefer dans cette vidéo. Et je vais aussi vous donner mon classement des monoplaces de cette année, enfin pour moi ce que je pense être la hiérarchie du coup de cette saison F1 2021. À l'aube du coup de cette nouvelle réglementation importante de 2022. Je vous invite d'ailleurs à aller voir mon petit trailer que je mettrai ici ou ici du coup, que je vous ai fait du coup pour la nouvelle saison entre guillemets. J'ai appelé ça la nouvelle saison de vidéos sur YouTube, tout simplement parce que voilà, j'ai commencé l'année dernière à peu près dans le même temps et j'ai commencé par une vidéo setup, mais bon, mes vraies vidéos après c'était plus du coup mes débriefs et là du coup prochaine vidéo, mais celle d'après, donc dans 2 semaines, ça sera la nouvelle vidéo débrief après le Grand Prix. Donc voilà, on va repartir sur du débrief F1 et ça me fait vachement plaisir parce que ça fait longtemps. Et du coup, bah, je voulais un peu faire un trailer pour vous montrer un peu le nouveau setup parce que là, on va upgrade. Là, je vous le dis, on va upgrade clairement dans le matos. Enfin, j'avais déjà le matos, mais voilà, on va. Malheureusement, pour ceux qui aiment bien ce fond, on va déménager. Voilà, malheureusement, on va déménager. Mais voilà, pour moi, ça va être beaucoup plus qualitatif. On va être sur un petit fond vert. Si, je vais faire plusieurs tests. Si ça marche pas trop, si le rendu est pas top finalement avec un fond vert et que du coup les incrustations sont pas ouf ou que c'est moins bien, je ferai juste avec un fond noir ou un fond blanc où il y aura pas d'incrustation, juste moi qui parlerai comme ça. Et puis vraiment, si ça déplaît ou si vraiment ce fond est incroyable. Si ce décor est incroyable, je peut-être retournerai, mais bon, franchement, c'est plus pratique et je pense que ça sera plus stylé de faire des débriefs du coup avec le nouveau setup que du coup je vous ai affiché sur le trailer. Donc allez bien voir parce que je pense que j'ai pas encore fait le montage, mais je pense que je vais me faire un peu chier pour le montage. Donc si je peux être récompensé, tu vois, c'est pas trop mal. Et bah on va commencer cette vidéo tout de suite, hein. On va du coup débriefer un peu ces nouvelles livrées pour cette saison 2021 de F1 et je vais vous donner un peu la hiérarchie, mon avis, je pense, enfin mes prédictions plutôt sur la hiérarchie de cette année 2021 en F1 du coup. Donc on commence tout de suite. Donc voilà, je pense qu'on va faire 2 en 1. Donc je vais commencer par vous prendre pour moi du coup l'écurie qui sera dernière cette année au classement des constructeurs. Donc, bah, pour moi, malheureusement, c'est As qui va finir dernière des constructeurs. Et donc, en même temps, on va décortiquer un peu les livrées. Je vais peut-être vous mettre une image au montage pour un peu vous illustrer mes propos. Mais donc, moi, personnellement, au niveau de mon classement des livrées 2021, je la mets 6e. Voilà, c'est la 6e, ma 6e plus belle livrée, on va dire, que je préfère en tout cas. Parce que franchement, elle est pas mal. En fait, on aurait dit à première vue, enfin moi, la première fois que je l'ai vue, j'ai vraiment cru que c'était une voiture totalement différente que d'habitude. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça ressemble pas du tout à d'habitude. Et en fait, vraiment, ce qui choque, c'est le bleu, et du coup, qui constitue un peu le drapeau russe, qui fait un peu bizarre, et qui c'est un peu un paradoxe, puisque c'est une équipe américaine, et on connaît un peu les conflits russes et américains, donc bon, c'est un peu paradoxal quand même, mais donc moi, je la mets 6e, parce que finalement, en fait, elle est vraiment pas si différente que, par exemple, celle de l'année dernière, à part que, en fait, c'est du... Il y a du bleu et tout, et ils font quand même, bon, on le voit très clairement, le drapeau russe. Après, bon, elle est quand même pas non plus ultra ressemblante à celle de d'habitude. Il y a quand même pas mal de changements, il n'y a pas beaucoup de... Si, il y a quand même des sponsors. Mais d'ailleurs, on peut souligner les nouveaux sponsors, bon, celui de Mazepin en l'occurrence, qui apporte le drapeau russe. Il y a le sponsor sur l'aileron arrière aussi qui n'était pas là avant. Je pense que ça doit être aussi un sponsor de Mazepin ou alors de Schumacher. Bon, bah, du coup, parlons-en. Mazepin et Schumacher, donc les deux pilotes qui conduiront cette voiture cette année,
vie sur eux, clairement, parce que je pense que la voiture va pas être bonne du tout. Bon, on est à la fin des essais hivernaux, et d'ailleurs je vous ferai sûrement un débrief là-dessus, mais apparemment Gunther est content et satisfait des performances de Schumacher, et Schumacher a l'air d'être bien préparé, donc peut-être qu'il pourra faire quelque chose. Après Mazepin, bon, déjà qu'on n'espérait pas grand chose de lui et de sa personnalité. Bon, en plus, il se fout de sa gueule d'Hamilton en essai libre, alors qu'on n'est que en essai libre, enfin, pas en essai libre, on est que en essai hivernaux, et déjà, il y a déjà des polémiques, enfin, bon, c'est une petite polémique, il n'a pas fait non plus un truc de fou, mais il se fout déjà de la gueule d'Hamilton parce qu'il fait un spin, donc bon, ça commence pas de la meilleure des manières. Donc moi, comme je vous ai dit, 6e dans mon classement délivré et dernière du coup dans mon pronostic des classements du classement F1 du coup de cette saison 2021. On enchaîne tout de suite sur Williams. Williams que je place 9e du coup au niveau des constructeurs et dernier au niveau de la livrée, comme je pense beaucoup de personnes, puisque clairement, on dirait, en fait, je sais pas comment la décrire, mais on dirait vraiment. C'est vraiment ce que tout le monde dit, mais c'est vrai, on dirait vraiment une livrée sur F1 2020, sur le jeu du coup. Et c'est vraiment bizarre, enfin, on dirait vraiment une livrée d'enfant. Enfin, je sais pas comment le décrire, mais c'est une livrée vraiment bizarre, qui est pas jolie, enfin, en tout cas que je trouve pas ouf. En tout cas, même celle de l'année dernière qui était assez simple, qui me plaisait pas de fou, je préférais largement celle des essais hivernaux, mais elle passait, voilà, la voiture elle était pas mal. Là, franchement, bon, en vrai, elle n'est pas si dégueulasse, mais il y a vraiment cette touche de jaune doré qui gâche encore plus la note moyenne qui était déjà la livrée. Et avec ces bandes jaunes dorées, ça va pas du tout, et je trouve que ça gâche encore plus la livrée. Et ouais, sans ça, à la limite, ça serait passé, je l'aurais peut-être mis un peu plus haut. Mais là, vraiment, la livrée est pas ouf. Il y a des trucs qui vont pas, en plus voilà, la typographie est pas non plus incroyable. Ouais, vraiment, il n'y a pas grand chose qui me plaît sur cette livrée, et du coup je les mets 9e au classement constructeur dans mon pronostic, puisque je pense que Russell pourra faire quelque chose, peut-être mettre enfin les premiers points avec Williams, parce qu'il faut rappeler qu'il a mis quand même 2 points l'année dernière. Et donc on espère qu'ils seront un peu plus encore performants que l'année dernière, parce que bon, ils sont quand même bien revenus l'année dernière. Et puis voilà, après la livrée est non plus pas dégueulasse, mais bon, elle est pas non plus incroyable. Après elle passe quand même mieux en vrai, je tiens à souligner. Bon, bref, on passe quand même à la voiture d'après. Après, j'ai pas parlé de la Tiffy. Après la Tiffy, je pense qu'il peut faire quand même quelque chose cette année, peut-être un peu mieux que l'année dernière, même si l'année dernière était pas ridicule quand même. Bon. Reste à voir prochaine course, enfin les courses de la saison. Ça, tout reste à voir. Donc voilà. Donc on passe à Alfa Romeo, du coup, que je mets 8e dans mon classement constructeur en pronostic. Et je mets 2e de mon top classement des livrées 2021. Tout simplement parce que la livrée est. Bon, allez, elle est pas incroyable. Enfin, elle est très belle. Presque incroyable, j'ai envie de dire. J'ai vraiment hésité avec Aston Martin, parce que Aston Martin, c'est pas le verre que j'attendais, mais ça change vraiment des autres livrées, et c'est vraiment atypique, c'est vraiment beau. J'ai hésité parce que franchement, dans les premières livrées qui sont sorties, c'était vraiment la livrée que j'aimais le plus. Et bon, ça c'est plus détail aérodynamique, mais ça compte quand même dans le look de la voiture. Je kiffe le nouveau-né. Vraiment, je kiffe le nouveau-né. Bon, c'est le nez Red Bull, Renault, tout ça. C'est le même nez affiné un peu devant. Mais vraiment, je kiffe les nez comme ça sur les voitures. Et Alfa Romeo, ils sont enfin passés avec ce nez-là. D'ailleurs, je crois qu'ils ont dépensé un jeton pour développer ce nez. Et j'aime vraiment pas les nez qui sont du coup larges et qui se rétrécissent pas. J'aime beaucoup moins. À part celui de Ferrari qui est pas dégueu cette année, il est pas mal. Mais voilà, là ça me plaît vraiment beaucoup, le look est vraiment pas mal. Le rouge était peut-être mieux celui de l'année dernière. À voir en piste vraiment, parce que là du coup on n'a pas beaucoup d'aperçu de la voiture, mais le rouge est peut-être même moins bien que celui de l'année dernière, mais vraiment la version des couleurs est incroyable. Je kiffe vraiment, elle est plus jolie largement que celle de l'année dernière.
même si au final ils n'ont pas fait non plus grand chose puisqu'ils ont juste inversé les couleurs un peu à la manière d'AlphaTauri, mais ça marche très bien, c'est très efficace et franchement je trouve ça très beau. Kimi Raikkonen et Giovinazzi, le duo des pilotes, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose cette année, ils peuvent mettre quelques points, peut-être un peu plus que l'année dernière, parce que j'ai l'impression que la voiture est pas mal, j'ai l'impression que la voiture est beaucoup moins loin, surtout avec le nouveau moteur Ferrari. Donc peut-être que voilà, on pourra avoir un peu des duels avec peut-être les AlphaTauri et les autres voitures de milieu de grille un peu quelques fois. Je pense que voilà, ils peuvent venir titiller, mais je pense sans mettre autant de points que AlphaTauri ou même Ferrari ou les autres voitures de milieu de grille, puisque bon, c'est vraiment des voitures quand même un peu au-dessus. Même si je pense que Alfa Romeo va se rapprocher. Donc voilà. Après je pense qu'ils vont réduire l'écart et ce serait cool. Et surtout, ce serait cool que Giovinazzi fasse une bonne saison pour qu'il puisse rester en F1, parce que moi je crois en son potentiel, même s'il n'a pas trop prouvé ces dernières années, à part l'année dernière où franchement, bon, il a fait quand même une bonne saison, mais il a mis autant de points que Raikkonen quand même, donc c'est quand même une bonne performance. Tout reste à voir cette année, je pense qu'il va faire une bonne saison personnellement. Raikkonen, après, je pense pas qu'il va en faire une mauvaise, mais... Bon, il commence vraiment à être âgé, on dit ça tous les ans, mais il commence vraiment à être de plus en plus âgé, donc il va falloir qu'à un moment, il cède sa place. Donc, on passe du coup à la 7ème écurie dans mon pronostic des constructeurs, et c'est AlphaTauri. Donc, pour l'instant, le classement est quasiment le même que le classement des constructeurs final l'année dernière, à la différence de Haas et Williams. Donc pour l'instant c'est la même chose, donc je me mouille pas trop, mais bon, je pense que de toute façon il va pas y avoir grande différence puisqu'il n'y a pas beaucoup de changements à part un peu aérodynamique, mais globalement du coup le design de la voiture me plaît pas mal, je l'ai mis 9e du coup de mon classement des livrées. C'est avant-dernier, mais en fait dans cette saison, il n'y a vraiment pas de voiture que je déteste, il n'y a vraiment pas de voiture que je n'aime pas. C'est vraiment toutes des bonnes voitures, on va dire, des bonnes livrées. La livrée est pas mal. Juste, comme nous le disent pas mal de personnes, le bleu sur l'avant, jusqu'au nez, tout ça, ça me plaît moins. Alors que, franchement, l'inversion des couleurs est vraiment pas mal. Il est vraiment réussi, juste l'avant, ça fait un peu trop. Ils auraient peut-être dû le relever un peu plus, ou alors je sais pas, pas mettre le bleu à l'avant, ou je sais pas, enfin faire autre chose, mais en tout cas le bleu à l'avant me plaît moins, mais l'inversion est réussie en tout cas jusqu'au milieu de la voiture, j'ai envie de dire, peut-être même jusqu'au halo, donc franchement la voiture me plaît quand même. Les roues en blanc sont pas mal, franchement je trouve que c'est bien intégré et c'est une bonne transition, enfin, parce que l'année dernière du coup elles n'étaient pas blanches si je me trompe pas. Et cette année en blanc, ouais, ça passe bien. Franchement, je trouve que c'est plutôt joli. Donc, ouais, c'est, pour moi, c'est réussi, même si c'est que 9e, malheureusement. Parce qu'il y a quand même des gros concurrents en termes de beauté de livrée, on va dire. Donc, voilà. Après, le duo de pilotes, en parlant des performances un peu, moi, je mets l'écurie, du coup, 7e, comme l'année dernière, avec, du coup, un duo de pilotes Gasly et Tsunoda. Gasly, je pense qu'il va être sur la continuité. Hein. Dans les essais hivernaux, il a été plutôt pas mal. Et Tsunoda aussi, il a été une bonne surprise, surtout aujourd'hui, dimanche, où il a réalisé du coup le deuxième temps. Donc, reste à voir, encore une fois, je dis ça à toutes les écuries, mais bon, de toute façon, c'est pour toutes les mêmes, enfin, c'est pour toutes la même chose. Toujours, on attend de voir les performances en course, parce que pour l'instant, on n'a que les essais hivernaux et c'est pas vraiment un gros indicateur très fiable. Donc, on verra en course et puis on espère que ça va bien se passer pour eux. Bon voilà, là, voilà, 6e Alpine. Alors je les mets que seulement 6e dans mon pronostic du classement des constructeurs. Tout simplement parce que je pense que le duo de pilotes, Ocon, je pense qu'il va être mieux que l'année dernière, parce qu'il s'est remis dans le jus l'année dernière. Il a été un peu quand même dans l'ombre de Ricciardo, qui est quand même un très bon pilote. Donc, je pense que cette année, il va se remettre dans le truc, il va être bon et tout. Mais d'un côté, son coéquipier, il y a deux camps. Moi, je pencherais plus dans le camp des personnes qui pensent que bon, il est pas rouillé, mais bon, il fera jamais aussi bien qu'avant. Je pense qu'il sera même moins bon qu'Ocon. Il fera des moins bonnes performances, selon moi.
Et il y en a d'autres qui se rappellent et qui ont que ça en tête, qu'il est deux fois champion du monde et qu'il est chez Alpine, anciennement Renault. Donc il pense que ça va raviver la flamme, que voilà, il va être un monstre, il va fumer tout le monde, il est deux fois champion du monde. Pour moi, non. Pour moi, clairement, c'est non. Je pense qu'il va pas être mauvais non plus, mais voilà, je pense qu'il va pas être à la hauteur, il remplacera pas un Ricciardo. Donc pour moi, Alpine vont avoir toujours une bonne voiture, mais ils vont pas avoir les mêmes pilotes que l'année dernière. En tout cas, pas dans les mêmes conditions et tout. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas trop de leader cette année. Enfin, je pense que ça va être Alonso. Mais niveau performance, je pense que Ocon sera meilleur. Donc ça va porter une confusion un peu comme Vettel et Leclerc en 2019, où Vettel était le favori, mais Leclerc était plus rapide. Donc voilà, ça, comme on l'a vu, ça a causé des accidents, des accrochages et tout. Donc voilà, moi je me mouille pas. Moi je dis vraiment qu'ils sont 6e parce que je pense. Enfin, j'espère qu'ils pourraient même accrocher une 3e place au constructeur, ce serait incroyable. Mais voilà, je suis un peu fébrile. Par contre, voilà, classement des livrets 2021, c'est la plus belle. Franchement, il n'y a rien à dire, les gars. Celui qui me dit que c'est pas la plus belle voiture de cette année, et franchement, c'est pas parce que je suis français. Parce que clairement, regardez-moi ce bleu. Ce bleu est incroyable. Il y a le drapeau français, et franchement, les voitures bleu, blanc, rouge, enfin, pas forcément bleu, blanc, rouge, mais bleu et avec du rouge, ces deux couleurs sur une livrée, c'est toujours incroyable. Et là, en plus, il y a du blanc, donc ça passe bien aussi. Il y a du noir, enfin, il y a mes quatre couleurs préférées, clairement. Voilà, je peux rien dire d'autre. C'est incroyable, la livrée est magnifique. Et moi, du coup, bah, je la mets première largement. Donc voilà, cette livrée, je suis amoureux de cette livrée. En plus, le bleu est magnifique. C'est un bleu. Bon, en vrai, il est moins brillant. C'est plus un bleu mat, mais c'est un bleu mat brillant. Enfin bon, pour moi, il est incroyable. Et cette livrée est juste dingue. Elle est juste incroyable. On passe du coup tout de suite à Aston Martin F1 et non plus Aston Martin Red Bull F1. Et oui, parce que voilà, maintenant c'est la nouvelle écurie qui a pris place, enfin qui a pris la place de Racing Point du coup. Et je la mets du coup 5e de mon classement constructeur, et je la mets du coup 3e derrière Alfa Romeo au classement du coup des livrées, parce que voilà. Bon, c'est pas exactement le vert que j'attendais, même s'il passe mieux en piste, il passe mieux en vrai, plutôt que les rendus 3D. Donc j'ai été déçu au début en rendu 3D et en vrai, avec les vraies images et tout, et sur le circuit, elle est beaucoup mieux. Mais voilà, c'est pas tout à fait le vert que j'espérais, même si franchement, il est pas mal. La touche de rose est vraiment réussie, c'est même mieux que si elle n'y était pas. Elle passe vraiment bien, elle est vraiment jolie. Donc franchement, c'est presque un sans faute, franchement, à l'exception du vert qui est pas tout à fait celui que j'espérais, mais franchement, il est pas mal non plus. Donc voilà, je le mets 3e et 5e au classement des constructeurs, puisque bon, je pense qu'il y a des gros outsiders quand même, avec McLaren, Ferrari, Red Bull qui sont devant. Donc je pense que, bon, Stroll, je pense qu'il peut faire une très bonne saison cette année s'il se manie un peu, s'il a plus autant de malchance que l'année dernière et que même des fois les autres années. Donc je pense qu'il peut faire une très bonne saison. Et Vettel, malheureusement, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est cassé en Vettel. Pour moi, il y a eu une fissure dans son... Pas dans son... J'ai envie de dire dans son talent, mais c'est pas dans son talent vraiment, parce que il est toujours le même, entre guillemets. Mais je pense qu'à force d'en prendre plein la gueule l'année dernière et même les autres années chez Ferrari, il a perdu quelque chose. Et c'est triste à dire, mais il a même perdu ses cheveux. Il en a même perdu ses cheveux. Enfin, c'est quand même de chevelu chauve, le mec. Donc ça veut pas tout dire, clairement. C'est juste on rigole un peu sur sa calvitie, mais franchement, quand tu perds tes cheveux aussi jeune, en ayant passé des années un peu compliquées chez Ferrari, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est cassé, et ça se voit quand même un peu aux essais d'Hiverno. Après, c'est pas un gros indicateur, comme je l'ai dit, mais franchement, je crois qu'il a jamais été devant Stroll. Il a toujours fait des temps pas ouf. Je sais même pas s'il a déjà été dans le top 10, pour dire quand même. Je crois qu'il n'a pas été dans le top 10 des essais hivernaux avec Aston Martin, alors que Stroll était, je crois, 3-4 souvent.
Donc bon, je pense que Vettel va être moins bon que Stroll. Moi, je mise sur un Stroll numéro 1, clairement. Même si voilà, Vettel est une bonne recrue pour l'équipe, qui peut, du coup, il peut apporter un bagage technique pour développer la voiture et surtout, bon, un talent quand même. Il n'est pas non plus ridicule. Je pense qu'il va faire quelque chose quand même. Après, la voiture reste à voir ce qu'elle peut donner en piste parce que. Bon, on ne sait pas trop si du coup elle est un peu comme l'année dernière et c'est un peu une, du coup une Mercedes bis ou alors elle est revenue sur quelque chose de plus développé indépendamment, on va dire. Donc bon, encore une fois, reste à voir. Donc bon, on verra ça. Et puis sinon, la livrée est très bien aussi. Donc bon, voilà, tout va bien. Donc ensuite, on passe à Ferrari. Du coup, Ferrari que je mets 4e dans mon classement. Tout simplement parce que je pense qu'avec le nouveau moteur ils peuvent revenir avec les améliorations du châssis et de l'aéro, ils peuvent faire quelque chose. D'ailleurs on le voit, moi je l'ai vu directement et j'apprécie vraiment ce nouveau nez. Donc là encore une fois on parle du nez avec cette je sais pas, ces nouveaux trucs au bout du nez que je kiffe vraiment bien. Vraiment je kiffe ce nez. Après, voilà, la voiture, la livrée change pas beaucoup de d'habitude, mais franchement, elle est toujours efficace, hein, le rouge. Donc moi, je la mets 5e de mon classement des livrées. Le seul truc, voilà, qui me déplaît vraiment, que je trouve ça pas dégueulasse, mais presque, vraiment, ça me plaît vraiment pas, c'est ce dégradé à l'arrière de la voiture que tout le monde a insulté, limite. Tout le monde a insulté Ferrari pour ce dégradé. Je le trouve vraiment trop agressif. Il aurait été plus progressif, d'accord. Mais là, vraiment, il est trop agressif. Il passe trop vite. Trop d'un coup. Enfin, bon, bref, il va pas du tout. À la limite, s'ils pouvaient revoir leur livret pour la première course, s'ils pouvaient faire un dégradé plus progressif, franchement, ça serait sympa, les gars. Parce que là, le dégradé, non. Non, il passe vraiment pas. Et bon, beaucoup de gens. Enfin, ça a fait couler beaucoup d'encre, ce sponsor, du coup. Je crois que c'est un cigarettier, du coup, qui met ce sponsor... Enfin, je sais plus, j'ai entendu parler de ça, un cigarettier, ça se trouve, c'est pas du tout ça. Mais du coup, qui met ce truc en vert, là, qui était déjà présent, mais qui était noir sur les autres années. Et bah, franchement, tout le monde a gueulé, et je vais me faire insulter, mais franchement, je trouve ça pas dégueulasse. Franchement, moi, ça m'a pas choqué. Enfin, ça fait bizarre, parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir du vert sur la Ferrari. Mais franchement, je trouve pas ça moche. Je trouve pas ça. On pourrait le laisser, moi ça me dérangerait pas. C'est vraiment le dégradé qui me dérange au plus haut point. Donc bon, voilà. Niveau livret, elle est pas mal. Elle me plaît quand même bien. Les sponsors sont bien aussi, sont bien incrustés. Les chiffres, j'aime bien aussi. Sont pas mal. Et sinon. En parlant des performances et des pilotes, donc Charles Leclerc encore une fois une nouvelle année et Carlos Sainz du coup la nouvelle recrue pour remplacer Vettel, du coup Carlos Sainz je pense qu'il peut faire un bon job, qu'il peut même parfois aller chercher Leclerc peut-être, reste à voir, et Leclerc bon bah, je pense qu'il continuera sur sa lancée qui continue depuis 2019, donc bon voilà. Je pense que Leclerc est toujours très bon. Si on lui donne une meilleure voiture, voilà, pour moi, il réussit à décrocher la 4e place au constructeur. Donc bon, reste à voir. Après, voilà, comme j'ai dit, Vettel l'année dernière a beaucoup souffert, alors que Leclerc a quand même réussi à tirer des bonnes performances. Et même s'ils avaient le même niveau de performance que l'année dernière, je pense que un Carlos Sainz plus fiable, je pense qu'il peut mieux se débrouiller avec la voiture de l'année dernière, par exemple. Je pense que même voilà, avec les mêmes performances que l'année dernière, ils auraient pu faire mieux et ils auraient limite pu être peut-être devant Renault, tout ça. Donc bon, on verra ce que ça donne cette année. Enfin, moi je croise les doigts pour que ça remonte un peu quand même, parce que bon, voir Ferrari si bas l'année dernière c'était un peu choquant. Mais bon, il y a quand même Alpine, donc Alpine, je suis quand même vachement pour eux vu que c'est la France, tu vois. Mais je pense que là, ça va remonter chez Ferrari. Mais si ça ne remonte pas, Binotto, attention, attention. Hein. On passe ensuite au podium. Maintenant, on arrive au podium du coup du classement des constructeurs selon mon pronostic. Et du coup, bah, c'est McLaren, clairement. Je pense qu'ils vont continuer sur leur lancée, surtout qu'ils ont un nouveau moteur plus fiable. En tout cas, vu l'année dernière, il est beaucoup plus fiable que le Renault.
Même si niveau de la vitesse de pointe, il est moins performant, en tout cas l'année dernière, il était moins performant que celui Renault, même si en puissance il était moins bon, et je parle du coup bien évidemment du moteur Mercedes qui a été implanté du coup dans cette nouvelle McLaren qui a vraiment pas, enfin genre deux petits trucs, tu vois, deux trois petits trucs au niveau de la livrée qui ont changé, mais sinon c'est exactement la même. Du coup livrée que je mets à la 8ème place, j'ai mis à la 8ème place sur mon classement des livrées, puisque bon, elle fait toujours le taf, elle est toujours pas dégueulasse, elle est belle à voir, mais bon, je tiens quand même à sanctionner un peu le manque de créativité. Voilà, les mecs sont pas fait chier, même si bon, je sais que pas mal de gens disent que c'est une nouvelle saison, mais c'est un peu une saison bis, donc il n'y a pas besoin de faire une nouvelle livrée. Bon, quand même, voilà, il y en a qui ont fait des efforts, il y en a qui ont fait des gros changements. Donc voilà, j'aurais aimé voir ça sur la McLaren. Pas, même garder les mêmes couleurs, mais juste voilà, changer un peu plus la livrée, quoi, qu'elle ressemble pas exactement quasiment la même chose. Et là c'est le cas, c'est quasiment la même. Donc bon, petite déception. Mais je les mets du coup 3e au constructeur, puisque selon moi le duo de pilotes peut très bien marcher. Norris qui est très performant depuis son arrivée en F1. De plus en plus fiable au niveau des résultats. Et puis bon, Ricardo, on n'a même plus besoin de le présenter, un très bon pilote qui a brillé l'année dernière avec Renault, comparé à Ocon qui s'est un peu plus fait écraser durant cette saison 2020, malheureusement. Mais bon, Ricardo, tout son pilote préféré, donc voilà, ça fout un peu le seum parce que là, il était dans mon équipe préférée. Enfin, mon pilote préféré était dans mon équipe favorite, donc tu vois, il y avait une équipe à supporter et c'était, tu vois, c'était bien. Là maintenant, je vais devoir supporter Ricardo qui est un peu chez l'adversaire, on va dire, alors que je vais devoir supporter Alpine aussi, donc bon, voilà, ça va être compliqué, ça s'annonce compliqué. Mais bon, voilà, même plus besoin de le présenter, Ricardo, voilà, pour moi, c'est un des meilleurs pilotes, enfin, c'est un des meilleurs des pilotes de la grille pour l'instant. Au moins dans le top 5, donc bon, ils ont fait une bonne recrue, ils ont fait un bon move, je pense, McLaren, donc bon, deux pilotes très fiables, dont un qui a vraiment un très très gros talent, et je pense que dans une très bonne écurie, à peu près au niveau de Red Bull, à son époque 2017-2018 à peu près, peut faire des très bons résultats, des podiums, et peut-être, qui sait, peut-être une petite victoire l'année prochaine, enfin du coup cette année, bon, reste à voir, encore une fois. Toujours reste à voir. Bon, on passe à la 2ème place du coup du championnat constructeur selon mon pronostic. Et là, bon, bah Red Bull, hein, le podium ne change pas comparé à l'année dernière, à la fin de saison. Je pense que voilà, même avec une bonne recrue qui se nomme Perez du coup, qui pourrait être beaucoup plus fiable, on sait pas, hein, on sait vraiment pas, mais qui pourrait s'avérer beaucoup plus fiable que Albon et Gasly auparavant, même s'il arrive à assurer les places derrière Verstappen ou venir même peut-être titiller Verstappen quelquefois, je pense que voilà, ça viendra pas chercher les Mercedes, en tout cas pas encore cette année, peut-être pour l'année prochaine, mais voilà, pour moi ça n'arrivera pas à battre les Mercedes cette année du côté de Red Bull. Je mets tout de même la voiture 7ème au classement des livrées. Ça a été difficile à choisir parce que la livrée est toujours efficace, mais c'est toujours la même depuis 2017-2018, quoi. Pardon, le design a changé, le design de la voiture, mais la livrée c'est toujours la même, et c'est... Bon, il y a quand même quelques changements depuis 2018, mais franchement, celle de 2020, c'est exactement la même, à un détail près, c'est le logo Honda qui a été remplacé par le... Enfin, du coup, non, le logo Aston Martin qui a été remplacé par le logo Honda cette année. Et du coup, cette barre sur le côté de la voiture, sur l'aileron, enfin, juste après le halo, où il y avait écrit Aston Martin, je crois, qui a été rallongé, la bande. Sinon, il n'y a aucune, vraiment, genre, strictement aucune différence, à part le sponsor Telcel, qui est un sponsor, du coup, de Sergio Perez, mais sinon... Niveau de la livrée, sans compter les sponsors, il n'y a aucun changement, vraiment c'est la même, ils ont repris la même. Et bon, j'avoue qu'elle est toujours efficace, mais voilà, toujours manque de créativité, et c'est dommage, franchement c'est dommage, parce que bon, ils font des bêtes de design en essais hivernaux ou en design comme ça qui n'utilisent pas en vrai.
Et en fait, en vrai, ils nous remettent la même livrée depuis presque 3-4 ans. Donc bon, c'est plutôt dommage. Et donc voilà, moi je les mets deuxième au classement des constructeurs pour cette année 2021. Et on passe finalement à la dernière voiture, du coup, la première position au classement des constructeurs selon mon pronostic cette année. Et du coup, bah toujours, encore et toujours Mercedes. Avec du coup, je pense, comme champion du monde des pilotes Lewis Hamilton. Même si je pense que cette année, ça va être plus serré entre Hamilton et Bottas, je pense que Bottas va pouvoir chercher, pouvoir prendre 4-5 victoires. Pour moi, 4-5 victoires. Je m'impose comme ça, j'arrive, je vous dis 4-5 victoires, ça va être 4-5 victoires, ok. Là, je pose mes buandes sur la table. Je fais un pari couillu, clairement. Si Bottas, tu vas pas chercher 4-5 victoires, je vais passer pour un bouffon. Donc, s'il te plaît, tu te bouges le. Voilà. Donc, voilà. Moi, je pense que il peut se resserrer un peu le championnat. Et en parlant de la livrée, du coup, moi, je la mets quatrième de mon classement des livrées. Puisque, bon, voilà, ils reprennent le noir et ça me fait plaisir. Même si, voilà, le gris silver d'avant m'aurait pas déplu non plus. La seule chose que je déteste, mais que je trouve beaucoup moins bien qu'avant, c'est vraiment les logos AMG. Mais non, mais en fait, on dirait clairement déjà ça, ce côté un peu placement de produits ambulants qui fait forceur un peu. Enfin, pour moi, je trouve que c'est un peu forceur. Et franchement, c'est moche. Franchement, c'est moche. Je suis désolé, mais c'est moche. Les AMG comme ça, c'est vraiment pas beau. Les étoiles, c'était vraiment incroyable. Enfin, c'était pas incroyable, mais c'était vraiment beaucoup plus joli. Par contre, je tiens à souligner, voilà, que je kiffe du coup le noir comme d'habitude. Le rouge est bien implémenté et la partie grise blanche un peu me plaît aussi. Voilà, j'aime bien. Voilà, j'aime bien, mais j'aurais beaucoup plus kiffé si c'était des étoiles par dessus. Et malheureusement, c'est logo AMG de merde. Enfin, c'est dégueulasse. Surtout qu'ils n'ont pas besoin, enfin d'habitude, il n'y a pas les logos AMG, donc je vois pas pourquoi cette année ils les ont mis comme ça. Par contre, voilà, je tiens à souligner la typographie des chiffres qui me plaît vraiment beaucoup. Je trouve que c'est sûrement la typographie que je préfère sur les voitures de cette année. Elle est vraiment très stylée, enfin moi je la trouve vraiment très stylée, donc bon, voilà. Je pense que c'était à peu près tout, j'ai fait le tour du coup de toutes les écuries et de toutes les livrées. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, je vous réinvite à aller checker le trailer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas toujours à liker, à vous abonner, à commenter. Vous connaissez la chanson, donc je vous le dis pas trop au début de vidéo parce que j'ai pas envie de saouler les gens. Mais c'est vrai que pour me récompenser un peu, si vous pouviez un peu référencer le truc, tu vois, ça serait bien. Ah, ça serait bien. Ça me déplairait pas. Donc je vous laisse sur ce. Prochaine vidéo, sûrement le débrief des essais hivernaux. Donc à plus les gars. Peace.